Non, c'est toi. Si le monsieur là te laisse, est-ce que toi tu peux gagner Bangala? Si ce n'est pas parce que Banderas est l'homme le plus nul, le plus frustré, toi, tu sais que si tu sors des mariages, ça, ta vie est finie. Tu sais? Et à ta tête, est-ce que tu as vu le niveau de ton crâne? Est-ce que tu as vu le niveau de ton crâne? Est-ce que tu vois? Toi, tu n'es pas Yakuba par hasard. Tu n'es pas Yakuba par hasard. Il y a front. Oui. Modèle de front maintenant sur nous. Toi, tu ne peux pas aller perruque dans la maison. Hein? Tu ne peux pas aller perruque dans la maison. Ouais. Femmes sont chauves. Moi-même, j'ai dit que j'aime chauve là, même. Je suis dépassée. Je ne savais pas que ça existait. Femmes sont chauves. Je ne savais pas. Si moi, elle dit, je n'ai pas de dents parce que je suis sorcière. Toi, tu n'as pas de cheveux parce que tu es vampire. Parce que pour toi, c'est tête de vampire qu'elle a là. Ça là, c'est tête de vampire. Si moi, elle dit, je n'ai pas de dents, je suis sorcière, j'assume ma sorcellerie. Mais pour toi là seulement, wallahi bilahi, que c'est l'homme qui dort dans ses cueils qui peut avoir cheveux comme ça. Si ce n'est pas les scolopones et puis les asticots qui ont bêté tes cheveux, toi tu peux jamais avoir tête comme ça. Oui. Est-ce que tu as vu le développement de ton crâne même? Est-ce que tu as vu le niveau de ta frontanelle? Toi, femme, sont chauves. Non. C'est le monsieur. Tel que le monsieur vous a été fabriqué même pour que vous soyez ensemble. Oui. Et à fond, tel que ton nez même est joli comparé à Roland. Ouais. Nous, on insultait ton nez, on n'avait pas vu ton front. Hein. Non, on t'avait pas vu sans perruque. Wallahi, puis là, quand on t'avait pas vu sans perruque. Ouais. Qui t'a blagué même le jour là-même? Qui t'a blagué? Toi, tu arrives dans la maison, quand tu enlèves ton perruque, ton... Hey, quand tu... Il dit, me voici, il me blessé. Quand tu enlèves ta perruque, mais ton mari, il fuit. Il comprend pourquoi il ne dort pas la nuit. Il a cherché le travail de nuit. Il ne peut pas dormir à toi. Je comprends pourquoi il travaille la nuit. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur là travaille la nuit. Parce qu'il a comme l'impression qu'il doit être un vampire. Atama. Oui. Femmes sont chauves. Oui. Yeah. Non, il y a le modèle, les qualités. Non, les hommes même, ils dorment avec quelque chose à la maison. Hein. Les hommes, ils dorment avec quelque chose à la maison. Hein. Toi, pardon, faut jamais t'enlever ta perruque. Yeah! Yeah! Si tu viens chez moi, pourquoi on peut se bagarrer? La première chose que j'ai cherché à enlever, c'est ta perruque. Yeah! Yeah, vois ça, mon frère. Quoi? Il y a deux fronts. Il y a deux son front. Si on va finir dans le front là pour arriver dans le nez là. Yeah! On peut commencer dans le front là. C'est-à-dire que le front même m'a déjà dépassé. Depuis, regarde la photo, il est riche jusqu'à ce que j'ai. Est-ce que ça est aussi plus joli que quand tu as mon chic? Yeah! Ton modia. Yeah, modia, mais c'est pour toi. Quand je suis plus joli que quand tu as mon chic. Yeah! Ton barbier. Quoi, je suis plus joli que quand tu as mon chic. Jolibilité, ta mère con. Yeah! Il y a son front. Oui. Demain, il faut que je trouve un déguisement comme ça. Parce qu'il faut que j'imite ton front là. Yeah! On peut avoir tête comme ça. Et puis tu appelles l'ancien créé à Gayakou tête. L'ancien créé à petite tête. Mais c'est toi Gayakou tête parce que toi tu es son Yakuba. Toi tu n'es pas Yakuba par hasard. Toi tu dois être Yakuba. Ça m'étonne si tu n'es pas Yakuba. C'est qu'il y a eu défaut quelque part. Ton père doit savoir que tu n'es pas son enfant parce qu'il y a des signes qui sont héréditaires. Ça ne manque pas. On trouve seulement que dans une seule région. Toi, si ton père qui a couché avec ta mère. Il n'est pas Yakuba, il doit être sûr que toi tu n'es pas son enfant. Si ton père n'est pas Yakuba, lui doit être sûr à 100% que toi tu n'es pas son enfant. Parce que c'est Yakuba seul qui peut créer tête comme ça pour nous donner. C'est Yakuba seul. Chia! Moi, je me suis dépassé. Chia! Moi, je suis étonné. Oui? Je dit que je suis désolé que quand tu as mon truc. Quand ta mère t'a vu à 8 ans, elle dit mariée là. Sinon ma fille va jamais gagner un mari. Mariée là.
Quand on a dit à ton mari, on a trouvé une petite fille pour toi. Il dit, envoyez-la moi. Il y a au moins 22 ans. Quand je me déshabille devant les filles, elle fuit. Elle joue à mon kiki. Tikodou. Tikodou. Et puis elle rit. Oui, oui. Ton gars, là, quand il cherchait femme, là. Oui, oui. Au lycée, quand il cherchait femme, là. Quand il rentre dans la chambre avec une fille, là. Elle vit l'ascenseur, puis elle regarde son kiko, ça même elle choquait. Et puis elle jouait ça. Tikodou. 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 On l'appelait Tikodou. À l'école. On l'appelait Tikitou, 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 Tikitou. C'est comme ça qu'on l'appelait. Quand ta mère a vu ta laideur, quand ta mère a vu ta tronche, les parents se sont vus, se sont concertés. On ne va pas sauver nos enfants ensemble. Est-ce qu'on ne va pas les sauver ensemble? Moi, il n'y a pas gaspillage. C'est comme ça, vous, de vous, vous êtes soulevés. Vous êtes ensemble. Ah oui. Sinon, ça, Maria, ça, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui cherche ça sur Facebook. Ton modèle, là, un modèle de ton mari, là, voilà. Nous, on est là, on entend chercher, on dit même prière, que pour qu'on y tourne. Nous, on est assis, on dit même prière. Tu as déjà vu quelqu'un qui a dit même prière que pour toi? Est-ce que tu as déjà vu? On voit les mariés ici, on voit les couples ici. Tu as déjà vu quelqu'un dire même prière que pour toi? Tu as déjà vu? Vous faites 60 ans dans le mariage, on s'en fout. Parce que vous, votre mariage, c'est ça qu'on appelle la longévité. C'est votre mariage, même. On appelle ça la longévité. Maman, dans Dracula. Hein? Hein, papa, dans Quasimodo, maintenant, sur nous. Maman, dans Dracula, plus papa, dans Quasimodo, sur nous. Quand tu regardes ton couple, quand tu regardes ton foyer, là, quelqu'un peut envier ça. Célibat est mieux. Célibat est mieux. Mm-hmm. Il y a des couples, tu vois là. Mieux, je suis célibataire. Je suis célibataire. Hein? Je suis célibataire. Oui, je suis célibataire. Hein? Parce qu'on sait que vous souffrez dans la maison. Pas ton mari est obligé de travailler la nuit pour ne pas voir ta tronche. Parce qu'il se lève à minuit pour aller faire pipi. S'il est couché du mauvais côté, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se couche, il doit se coucher comme ça. S'il s'est déplacé dans son lit, que son visage est votre visage, et qu'il ouvre ses yeux pour aller faire pipi, c'est pas bon pour lui. Mieux, il va travailler la nuit. Mieux, il travaille parce que matin, quand il se réveille, quand il voit ta tronche, il se demande, je suis où? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Ou bien, il est obligé de travailler la nuit. Toi, c'est les personnes âgées. Tu as voulu travailler les enfants et tu as refusé. C'est les personnes âgées seulement qui peuvent te prendre. Par exemple, eux-mêmes là, ils sont vieux, vieux, tout pauvres, ils sont tombés, ils sont vilains, vilains. C'est les personnes âgées seulement qui peuvent t'accepter. Et puis toi, où tu es, au service où tu es au service des alités complets. Ça veut dire que les gens même qui sont, ceux même qui sont comme ça, droits. Oui, oui. Tu n'es pas chez les comateurs. Tu travailles dans quel service? C'est où tu travailles sur FS là? C'est chez les comateurs, non? Les vieux comateurs là. C'est là-bas. On ne te voit pas où? Bah, les infirmières, là, on prend les jolis jolis là. C'est pour ça que tu n'as pas réussi le test d'infirmière. Toi, ils t'ont recalé dans le test d'infirmière à cause de ta laideur. On t'a recalé direct. On ne te trompe pas. Une infirmière doit être belle. Non, non. Une infirmière doit être belle. Quand toi, on t'a vu, on va la mettre être soignante. Elle va enlever les couches là-bas. Non. Même si on dit, on fait du social en Europe, on fait de l'aide en France, mais quand même, il ne faut pas abuser. Voilà. On ne va pas effrayer nos patients. Ils sont déjà malades. On ne va pas venir encore les effrayer. On ne va pas leur donner des crises d'AVC à 4 heures du matin. On va dire, patient, injection, il ouvre ses yeux. C'est Dracula qui est devant nous. Donc toi-même, à cause de ton modèle, tu as été recalé direct. On t'a jeté sur les assistants, les aides-soignantes, où on envoie les grands comateux. Là. C'est-à-dire que ceux qui sont en fin de vie, là, il faut aller les états d'asile. Moi, mais ceux qui ont fait l'état d'asile, là, tu connais l'état d'asile? Je suis méchante. Je suis méchante.
je suis méchant. Je suis méchant tellement, je dis que je suis méchant. Oui, Seigneur. Oui, c'est moi. Oui, Seigneur. Je suis pas bien. Je suis méchante. Et Seigneur, Dieu, tu es méchante. Tu es méchante. Non, méchant, méchant. Toi, on peut faire ça. On t'envoie direct au service international. Qu'un parent veut que son patient meure. C'est que ce qu'on a envoyé. Tu sais qu'en France, c'est un papier pour euthanasier les gens. Oui, on n'a plus besoin de faire une chose. Attendez, me concentrer. Attendez, me concentrer. Sinon, il y a quatre dire. Attendez, me concentrer, pardonnez. Attendez, me concentrer. Attendez. Oh, il y a quoi? Attendez, me concentrer. Toi, attendez. Et n'oubliez pas le conseil des Aïe. Il y a mis un titre. N'oubliez pas, conseil des Aïe, dimanche. Le dimanche 24 à la salle Maximilien. Oui, oui. Toi, on t'envoie direct. Chez les gens qui sont en fin de vie, là. Ceux qui attendent la mort. Là. Quand on décide de les tuer aujourd'hui, là. Quand on signe le papier d'euthanasie, là. C'est toi qui rentres dans les chambres. Quand ils te voient, boum, ils sont morts. C'est ça ton aide-soignant que tu fais là-bas. Oui, oui. C'est ça. Tu es au service euthanasie. Et maintenant, on n'a plus besoin de se fatiguer, de dépenser de l'argent pour payer des médicaments, pour euthanasier les gens. C'est-à-dire que quand on voit, on dit, enlève-toi les perruques là, enlève les perruques là. Oui, oui, tu portes ton habit de Dracula. Et puis à 4h du matin, 5h du matin, on dit, fais les perruques là. Tu accroches ça devant. On dit, faut accrocher. Et quand tu sors de la salle, tu portes perruque avec tes promener dans le couloir. Pardon. On porte à croiser un patient qui est en train de passer parler dans sa radio. Lui n'a pas dit qu'il avait été tétanasié ce jour-là. Non. Donc avant de rentrer là, tu enlèves ta perruque, tu accroches. Quand tu rentres, tu dis, je suis venu pour faire votre injection. Quand le patient se retourne, quand il te voit maintenant, où il est mort. Et tête que nous on a vu là. D'accord? Donc toi là, tu travailles. Où c'est ton visage que je prends pour tuer les gens? T'as compris? Voilà. D'accord? Toi aussi, tu vas venir ouvrir sur Facebook. On n'a qu'à s'occuper de toi. T'as compris? Donc, ton juré que tu as fait là, ton modèle que tu as fait là, nous on est déjà habitués à ça. Là, c'est de comprendre. C'est ça que là. Donc, avant que Waka va sortir de sa cachette. Oui. Avant que Waka va se montrer là. Oui. Avant que Waka va décider. Waka est sorcière, elle est ceci, mais tu causais elle en une boxe. C'était ta lourde CP. Oui. Aujourd'hui, comme elle est en train de te dire tes vérités, tu as venu t'asseoir pour raconter. Bah, entre, c'est entre toi et puis Waka. Ça, c'est pas moi qui gère. Mais elle dit, Waka, attends. Waka, ton logue. Attends d'abord. Avant que tu aies montré ton visage, pardon. 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 Attends. Elle n'a qu'à nous montrer son nom. Son vrai nom. Avant que tu aies cherché à voir quelqu'un. Oui. À connaître ta personne. Toi-même, il faut te présenter d'abord à nous. Parce que nous, où on est là, on ne te connaît pas. Oui. Tu es la seule qu'on ne connaît pas son nom sur Facebook. Tous ceux qui sont sur Facebook, eux tous sont connus. Toi, tellement tu es insignifiante. C'est-à-dire que tellement moi-même, là, je suis connu jusqu'à vous partir chercher même mon petit nom même des quartiers. C'est-à-dire que vous faites enquête jusqu'à dans mon quartier. Mais les gens qui vous donnent les papos, là, mais sont méchants, ils ne sont pas bons à vous. Hein. Sinon, papos, sur moi, il y en a trop dans mon quartier. Il y en a trop dans mon quartier. Qui te donne les papos? La personne n'est pas bien. La personne n'est pas bien. C'est-à-dire, la personne même n'a pas d'informations sur ma famille. Comment vous arrangez? Comment vous arrangez? Hein? Tu comprends? Donc, il faut d'abord nous montrer comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Ton nom, c'est quoi? Quel est ton nom? Oui. Toi-même, tu as renié ton nom. C'est normal que tu sois à l'image.
de ta copine là. C'est normal. On dit elle s'appelle Kwadjo, elle dit forcé, elle s'appelle Keita. On dit elle s'appelle Kwadjo, elle dit forcé, elle s'appelle Keita. On dit elle s'appelle Kwadjo, elle dit forcé, elle s'appelle Keita. Un matin elle s'est réveillée, elle dit elle s'appelle Kwadjo. Toi là, Francine Bala, c'est ton nom. Il faut me répondre. On va développer ça. Bah, tu sais que je sais. Tu sais que je sais. C'est parce que moi, je ne suis pas Barbie. Tu sais que ce qui se passe en inbox, ça reste toujours en inbox. C'est toi qui viens faire le développement. Moi, je suis obligé de venir donner les informations. Sinon, quand tu m'as envoyé le colis là, quand tu m'as envoyé le colis, tu sais que je sais. Mais c'est parce que moi, les réseaux sociaux et puis la vie privée de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis jamais sorti des réseaux pour rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Je ne me le permets pas. Bah, il me dit que c'est le game sur les réseaux sociaux. Ça s'arrête pour moi, ça s'arrête quand je coupe ma caméra. C'est quand je me connecte à ma caméra que je suis en harmonie et puis en accord avec vous. C'est quand j'allume ma caméra que je te connais. Une fois, toi-même, tu sais, il t'est croisé, vent ou qu'il t'a fait. Folie t'a pris. Tu sais que c'est quand j'allume ma caméra que je te connais. Sinon, quand j'étais ma caméra, je ne te connais pas. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Il y a si dans le film, hein, vous comme ça sur Facebook. Sur le vrai, on ne se connaît pas. Donc, tu t'appelles pas Francine Ba. C'est pas ton nom. Et c'est même pas ton prénom même. Tu connais ton nom. Donc, assume. C'est pour ça qu'on dit que tu as l'image de l'autre là. Il faut venir nous donner ton nom. Tu comprends? Il faut venir, tu vas nous donner. Comment tu t'appelles? Il faut venir, tu vas nous donner. Bah, moi-même, je vais aller porter plainte contre toi. Mais il veut que tu déposes ça sur Facebook. Parce que c'est que j'ai ici là. On va dire que je l'ai eu de manière. C'est-à-dire que c'est pas correct, tu vois. C'est pas correct. Tu vois. Et puis, j'ai pas envie de penser. Je vais te laisser l'honneur et le plaisir. Sinon, j'ai gâté ta boîte. Oui, oui. J'ai pris le soin de garder. J'ai ton adresse. Et puis, j'ai ton nom. Depuis longtemps. Mais j'ai pris le soin de ne jamais venir divulguer ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu comprends? Je vais te laisser le plaisir. Mm-hmm. Moi, je suis plus dans le cassage de papo. Il fait pas le cassage de papo. Tu sais que j'ai le papo, tu sais. J'ai reçu ton colis, j'ai le papo. Mais je ne suis pas dans le cassage de papo. Comme tu dis que moi, je suis un enfant adultérien. C'est pas grave. Je t'ai montré un papa qui m'a reconnu. Je porte son nom et je suis à sa ressemblance et à son image. Toi, d'abord, il faut venir nous donner comment tu t'appelles. Ton nom là, c'est quoi? D'accord? Moi, c'est la question que je te pose. Quand tu as fini de répondre à ça, quand tu as nous montré ton nom, ton identité, ta vraie identité, Waka va sortir de son noir là. Oui. On me s'accorde de toi une barbière, une chienne, une dépravée sexuelle comme ça. Waka qui est. C'est-à-dire que quelqu'un que personne ne connaît. Toi, tu penses que c'est ton clash d'imbécile barbier. Hé! Hey! Waka fait guerre d'Indochine sur les réseaux sociaux. Je comprends pourquoi folie t'a pris. Je comprends pourquoi ça pétait dans ta tête. Quand tu as vu la vidéo de Waka, tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. De toute façon, elle est rentrée. Moi, il peut mettre. C'est Gugu qui ne pouvait pas mettre l'enregistrement de Waka. Là. Moi, il peut mettre ça. Oui, oui. Parce que j'assume tous les propos de Waka. Oui, oui. Et puis, vous pouvez m'associer à ce qui est dit dedans. Ça ne chauffe pas. Et c'est moi, il dit, j'ai besoin de le cacher. Vous pouvez me faire quoi? Depuis que vous faites là, vous me faites quoi même? Non, sérieux. Même m'empêcher d'avoir un gars, vous ne pouvez pas. Même moi-même, je m'empêche d'avoir gars. Même m'empêcher d'avoir gars, vous ne pouvez pas. Hein? Oui, oui. Et voir Bandera tenter de jouer sa photo là-bas. Toi, tu es un vieux frustré, tu comprends? Tu me fais pitié. Il ne faut pas me faire parler, tu comprends? Parce que toi-même, tu as reçu un vent de moi. Il t'a fait vraiment. Ça n'a même pas chauffé. Tu forçais de me saluer. Tu m'as vu. Et puis, tu forçais de me saluer. Quand il t'a vu, j'ai dit moi. Quand il vous a regardé vos modèles là, il dit mais moi, Edwige, mais bon, c'est quel argent il cherche? C'est quel terrain je cherche? Et puis c'est quel voyage je cherche? Juste quand j'ai m'élevé moi, pour partir me mettre dans la même maison que vous. Et vous êtes courageux. Non, vous êtes fort. Hein? Donc vous, tout ça, vous étiez dans la même maison, vous vivez ensemble. Non, c'était là-bas, c'était dosé. Hein? C'était dosé. Quand il t'a vu là-bas, il dit non, je sens que cette télé-réalité, je ne vais pas y participer. Non. L'argent ne peut pas me faire faire autant de bêtises et autant de conneries comme ça. J'aime l'argent, mais j'ai ma dignité. J'adore l'argent, mais j'ai l'amour propre pour moi-même.
Non, mais sérieux. Allô, quoi? Allô? Vous êtes sortis des maisons. Vous tous, vous vivez là-bas. Tous les jours, il y a une nouvelle information. C'est de télé-réalité. Bandera, c'est en train de parler avec sa copine. Et puis, celle-là, elle a pris balle perdue dedans. Comme elle ne sait pas aux heures qu'elle ne doit pas appeler, aux heures qu'elle doit appeler là. Comme tu ne connais pas les heures où on doit appeler les gens, tu ne sais pas quand on appelle, quand garçon cherche comment il va faire pour bander, c'est qu'il est tard dans la nuit. Oui, oui. Quand il est au téléphone, en train de faire comment il va mougouingo, c'est qu'il fait nuit. Parce que tu ne connais pas les heures pour appeler. Le gars était trop excité. Il est en train de chercher à ce que la go vienne chez lui. Et puis toi, à 23h, 1h du matin, tu l'appelles. Pas, il ne sait pas pourquoi il a prononcé 5h. Il ne sait pas. Il était que le même quand il appelait même. C'est la question même que je me pose depuis. Non, Wakatolo a fait ça propre. Il a mis un peu seulement. Un peu, puis il est parti. Que 10 minutes, je dirais, de Waka. Waka a fait ça propre. Aïe. Mais Waka, tout le monde a peur d'elle. Les gens l'ont cherché si elle torche. Les gens l'ont cherché si elle torche. Jusqu'aujourd'hui, même les abeilles, les grandes abeilles de flore de l'île, n'ont pas pu découvrir Waka. C'est toi, ton modèle. Oh, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Hein? J'ai pensé que tu avais dit qu'elle est derrière ton quai de genou, là. Elle n'est pas derrière ça. Non, sur Facebook, il n'y a que 2 pages seulement. Sur Facebook, si on t'a appelé pour te demander, là, il y a 2 pages seulement qui dénigrent. 2 pages. Toutes les autres, là, ils sont corrects. Si on t'a posé question. Ils sont trop couettes. Oui, oui. C'est la page que nous, on aime, là. C'est ça que tu as dit qu'elle est derrière. Elle a loupé la go. Elle a l'épée. Elle a raté. Elle a ciblé. Moi, il paraît qu'elle nous dit qu'elle est derrière. Ou bien. De toute façon, tu insultes les gens bêtes, bêtes, là. Peut-être même toi-même, tu es derrière la page qui est de nous, là. Peut-être que tu es derrière ça. Ou bien, peut-être. Ça ne va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner que tu sois derrière cette page-là. Ça ne va même pas m'étonner que toi, tu sois derrière cette page. De façon, tu aimes cogner les têtes. De façon, tu aimes faire la sorcellerie. De façon, tu es mauvaise. Ça ne va pas m'étonner que tu sois là-bas. Bah, c'est toi qui as l'information des gens. Oui, oui. Tu as apporté les preuves. Toi, tu cherches que les gens apportent preuve. Toi-même, ce que tu sors, ce qui sort de ta bouche, tu as déjà envoyé les preuves de ça. Il faut quand même envoyer une fois. Une seule fois, il faut envoyer quand même les preuves de ce que tu avances. Gugu est sorti. Tu la connais, non? Tu as vu tout le monde? Tu as vu tous ceux qui sont sortis à mon nom? Est-ce que tu as vu tous ceux qui sont sortis à mon nom? Il faut regarder tous ceux qui ont fait direct là. Eux tous, ils ont eu à prononcer mon nom dedans. Ça ne chauffe pas. C'est pas Yaya. Oui, oui. Il a vu. Vos groupes là, vous êtes en train de pleurer. Comment on peut être rancunier comme ça? Comment on peut être rancunier comme ça? C'est pas de la rancune. Vous vous trompez. Parce que vous avez un esprit de haine chez vous. Donc vous percevez mal. Vous êtes tout le temps dans l'attaque. Vous êtes tout le temps dans l'autodéfense. Donc vous percevez mal. Moi, je ne suis pas dans la haine ni dans la rancune. Je pardonne. Mais je sais laisser quelqu'un derrière moi. Et puis continuer à avancer. C'est ça que vous appelez la rancune. Moi, ce n'est pas de la rancune. Quand je te dépose là, j'avance. Je ne te déteste pas. Je ne te juge pas. Je ne parle pas de toi. Je ne te connais pas. Vous devez comprendre. Je n'ai aucune rancune contre qui que ce soit. Non. Vous n'aimez pas mon blog parce que je suis vraie, je suis franche. Je sais que personne n'est parfait. C'est impossible. La perfection n'existe pas. Personne. On a tous fait des choses bizarres, bizarres. Non, non. Tous les sujets sont différents. J'ai eu à développer des sujets avec X, Y, Z, U, T, V, W. J'ai eu à régler. Et puis c'est différent. C'est-à-dire que quand vous allez prendre chacun de mes directs, je suis en train de débattre sur différents sujets. Et sur mon sujet, il y a le principe. Je vois les gens qui disent que quand ils déposent quelqu'un, non. J'ai défendu des gens ici sur certains sujets. Mais oui. Je les ai défendus, mais là, vous avez oublié. Parce que le problème, ce n'est pas la personne. Non, la personne n'est pas le problème. Le problème, c'est Edwige. Ce n'est pas la personne le problème. Le problème réel, c'est que vous causez réellement un problème sur les réseaux sociaux, c'est moi, Edwige.
Oui. Parce que le... L'étoile qui est sur ma vie, ça vous dérange. C'est comme ça. Ça vous dérange. Parce que je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas trompable. Et je suis loyale. Quel que soit mon niveau de nervosité, je suis très loyale. Hier, yeah, avant-hier, vous êtes en train de vous promener partout. Après, tu l'as déposé. Après, tu l'as déposé. Ton frère Apoutou t'a déposé. Ton frère Apoutou. Avant quand il fait quelque chose, vous dites que Apoutou permet. Avant quand il faisait quelque chose, il faisait. Quand j'insultais dans le cul des gens, c'est chez Apoutou, vous partez là-bas pour voir qui pleurait. Tu fais quoi à elle? Tu fais quoi à elle? Tu fais quoi à elle? Tu es avec elle là-bas. Tu fais quoi à elle-même? Tu es elle-même, tu fais quoi à elle? Il faut laisser la fille là. Vous avez crié ici. Ah, Poutou, tu as déposé. Ah, Poutou, tu as déposé. Avant-hier, si c'est hier ou bien si c'est quand. C'est ça qu'il a piqué, elle a commencé à insulter quand tu as mon chiqué. Quand elle a vu que Poutou est venu commenter, et puis il a dit qu'il m'attend à Abidjan, qu'il est venu, il va prendre mon billet, il va rentrer à Abidjan, et patati, et mamie, et tralala. Ouh, Poutou a quitté dans vos bouches. Est-ce que vous connaissez Poutou même? Vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez le modèle d'Poutou? Vous connaissez son modèle? Hein? Une bande de raclus. Oui, oui. Cette femme vous a demandé sur Facebook, là, je suis la plus détestée. Mais quand vous voyez les blogueurs sortir comme ça, puis que vous voyez qu'ils n'ont aucune haine, ils n'ont aucun problème, mais moi, ça vous douloure. Par exemple, dans votre esprit, là, vous pensez que votre pensée, c'est la pensée de tout le monde. Si on vous a demandé, là, Emma me déteste, Kotia Mouchik me déteste, Apoutou me déteste, MK Secret me déteste, c'est-à-dire que personne. Personne, si on vous a demandé, le problème, ce n'est pas l'influenceuse, le problème, c'est moi. C'est ma tête que vous voulez abattre. Oui, oui. Buvez l'eau. C'est vous. À force de penser comme ça, c'est vous qui allez tomber un à un. Parce que c'est chez vous, il y a la division. Oui, oui. Chez nous, là, il y a la séparation de protection. On appelle ça la séparation de protection. Oui, puis après, tu n'as pas de problème. Même là, c'est-à-dire que la dernière fois que je suis partie, on n'a pas eu le temps de se voir. Je pense qu'il était en France, je ne sais plus. Mais l'avant-dernière fois où je suis partie, vous m'avez bien vu à son concert. Nous, là, on s'est séparés par protection des gens. Comme j'ai vu que Apoutou était dans votre bouche matin, midi, soir à cause de mon comportement là. Il dit, hey Joe, tu ne vas pas rester chez toi là-bas. Je vais rester chez moi ici. Il fait mon blog. Chacun va faire son blog comme il veut. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'utiliser le nom de quelqu'un pour avoir de la visibilité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle dit qu'on ne veut pas qu'elle défende l'influenceuse. Ce n'est pas ça le but. Si tu veux protéger cette femme et que tu l'aimes, parce que c'est vous qui envenimez les choses. C'est toujours vous. La première qui a commencé, c'était Poclé Nayo. Maman a Tilapia. Elle est venue prendre le nom de la fille là pour faire parler avec les gens sur Facebook. Les gens ont associé l'image de cette fille-là à Poclé Nayo. C'est vous qui cherchez le problème. Et puis c'est le blogueur. Oui, oui. C'est vous. La même s'est retournée contre elle. Il a fallu as des ailes. Maya l'abeille. Si elle vous citait, vous tous qui avez pris sa défense, vous êtes retournés contre elle. Là. Il ne va pas quitter ici. Si on vous a posé une question, vous tous qui l'avez défendu là, il y a une seule question seulement que vous vous posez. La fille, la même, elle t'a fait quoi, toi, Edwige là? Quand vous venez déposer vos caméras et puis vous commencez à la défendre là, moi, ici, assise, vous regardez. Vous prenez ça, moi, vous faites du mal. En tant que vous ne savez pas que vous êtes parti dans Magnan. Vous ne savez pas que vous êtes parti dans le feu. Quand on vous a demandé, quand les abonnés viennent, là, c'est un nom d'Edwige. T'as Edwige même là. Si on t'a demandé là, si on t'a posé question là, l'influenceuse a même t'a fait quoi? On va compter, il y a plus de 15 personnes. C'est pas Yaya. Plus de 15 personnes. Ça fait que 2 ans. Ça fait que 2 ans. Ça fait que 2 ans. Il y a plus de 15 personnes. Si on vous a demandé là, c'est
rédige le problème. C'est que tous ceux qui la défendent là, c'est mon nom. C'est que tout le monde est gentil. Parce que je n'ai jamais changé ma position. Je suis toujours restée correcte et nette sur mes prises de position. Oui. Pas il y a des blogueurs qui sont versatiles. Ça veut dire que comme ils voient qu'ils n'ont pas de vue là, ils vont pencher sur un côté pour avoir vue. Ils vont pencher à gauche pour avoir vue. Ça veut dire qu'eux, ils regardent en fonction des statistiques. Entends-moi, ils ne regardent pas en fonction des statistiques. Je regarde en fonction de ce que j'ai à dire. Je viens et dépose boue ce que j'ai à dire, puis ils m'aiment me coucher. Ça ne chauffe pas. Donc si on vous a demandé là, c'est moi qui je la persécute. Si on vous a posé question, hein, buvez l'eau. D'accord? Oui, oui. Nous, c'est quand on te demande là. Il faut. De toute façon, j'ai déposé Apuchou. Et puis tu dis que Apuchou n'est pas toi. Apuchou t'a jeté. Apuchou t'a fait ceci là. Il faut déposer la fille un peu. Son nom va se reposer. Oui, oui. Sinon, je pouvais changer le nom d'Apuchou pour courir ça. Ça n'a pas chauffé. Et puis Apuchou me connaît. Apuchou s'est promené à moi. Il a mangé à moi. En tout cas, si c'est Apuchou seulement là, vous ne pouvez pas parler. Quand c'est parti chez sa maman, tout ça là. Il a chanté mon nom, tout ça là. Moi-même, reconnaissance même que j'ai eu pour Apuchou, là, même ça dépasse pour vous. Mais vous, on vous donne rien. On dit déposer le nom de la fille un peu, ça c'est reposer. Vous dites check. On dit déposer son nom et puis faites votre blog. Elle-même a dit snobez, ne répondez pas, ne sortez pas. Quand on lui pose question sur vous, elle dit je ne les connais pas. Déposer son nom un peu. Avant-hier, on dit que moi, je défends Emma. Avant-hier, Emma est partie se promener. Il ne sait pas où. On dit que Emma n'a plus l'argent, qu'elle est dans le métro. Mais elle vit, elle s'est fait direct pour dire qu'elle défend Emma. Mais si c'était vous. Si c'était vous. Wow. Biche. On était foutus. Si c'était vous. Quand on avait dit qu'on a trouvé l'influenceuse, elle s'est promenée dans le métro, qu'elle n'a rien, n'a pas ses francs. À cause de voler. Dans Sephora, vous avez fait 75 000 directs. Vous n'avez pas fait vu et ignoré. Nous-mêmes, on aime Emma. Les gens ont fait direct. Ils ont brisé Emma. Ils ont fait poste. Ils ont fait capture. Ils ont partagé partout. Vous avez vu quelqu'un qui a parlé dedans? Est-ce que vous avez vu? Vous ne savez pas tuer le buzz. Vous ne savez rien faire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir donner explication? Que non, hein? Pourquoi vous faites ça, Emma? Qui aussi vous avez vu? C'est une personne publique. Chacun donne son opinion. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Si c'était vous, on était foutus. Emma en train de faire bachelor. Vous avez vu quel blogueur venir s'asseoir sur bachelor de Emma? Les blogueurs continuent leur travail. Emma est dans son bachelor. Mais vous, quand il y a eu une émission, boum! C'est comme si il y a eu tsunami. Vous avez pris son nom partout. On ne sait pas. Vous êtes en train de faire parler avec qui? On ne sait pas. Vous êtes en concurrence avec qui? On ne sait pas qui a parlé de son émission. Vous les détracteurs là. Toi Edwige là. Elle avance. Elle évolue. Moi, je me suis couché dans mon lycée de haï. La fille en train de faire son émission. Je n'ai jamais parlé là. Mon nom cherche quoi là-bas? Mon nom cherche quoi là-bas? Ça cherche quoi là-bas? Ça cherche quoi là-bas? Vous n'avez pas de thème, vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de thématique. Parce que si ce n'est pas avec elle, c'est contre elle. C'est deux choses seulement que vous avez. Et c'est ça le problème. Et c'est ça. Parce que c'est entre vous, mais c'est vous-même, vous polluez la toile avec votre sorcellerie. Si on appelait quelqu'un pour expliquer, on va dire, mais pourquoi la nudité, la fille, s'est retrouvée sur la toile? Non, il y a quelqu'un qui, comme elle insultait une fille, donc ils ont pris sa nudité, ils ont balancé sur les réseaux sociaux, les gens sont contents. Voici l'explication qu'on a donnée. Pourquoi elle insulte la fille? Comment elle insulte la fille, on va balancer sa nudité? Et puis vous pensez que Chiro va vous pardonner ça un jour. Vous pensez. Demain, vous allez venir vous asseoir. Vous avez dit Chiro en mauvais fond. Vous avez oublié le trou que vous avez creusé. Vous avez oublié.
Vous avez oublié le trou que vous avez creusé. Si on vous a demandé là, Chilo, c'est qu'il arrive à un mérite, il n'a qu'à accepter, puis il n'a qu'à vous aimer encore. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Quand il y a moi qui fait ces choses, les gens l'insultent 2-3 jours. Si ça a trop duré le buzz, c'est un jour. Mais depuis, Laurentia n'est plus avec l'influenceuse. Jusqu'aujourd'hui, ça ne finit pas. C'est vous seulement. Vous sortez, vous faites des directs. Vous sortez, vous faites des directs. Vous attaquez les gens inutilement. Les gens sont tranquillement chez eux. Ils ont déjà fini de parler du sujet. Le sujet est déjà passé à autre chose. Un matin comme ça, vous allez vous réveiller. Pouh! Sur TikTok, même on n'en parle pas. C'est-à-dire que tu te prends sur TikTok et puis on a mis ta photo. Tu n'as même pas fait vidéo. Tu n'as même pas fait de vidéo. Ils sont en train de t'insulter au nom de quelqu'un. Pendant que tu n'as même pas parlé du sujet. Maintenant, il y a un sujet qui arrive. Il y a deux animatrices qui sont en train de parler. Tu prends une prise de position, c'est fini. Die! Tu as pris ta position là. Il faut suivre ce qu'eux ils pensent. Ils vont même t'asseoir pour t'insulter. Parce que tu es sorti et puis tu as décortiqué un buzz qui est sur la toile. Et matin, midi, soir, c'est comme ça. Matin, midi, soir, c'est comme ça. Matin, midi, soir, c'est comme ça. Vous voulez convaincre forcément les gens que la fille est matérisée. Déjà, vous dites que la fille est matérisée, ça c'est un. Et de vous rajouter encore que ça ne lui fait rien. Et qu'elle a avancé ça. Et puis vous venez vous asseoir sur la vie des gens. Le but, c'est quoi? Faites comme moi. Si vous avez un peu d'amour propre pour vous, partez à décharger le nom de la fille un peu. Pas qu'on dit que vous utilisez le nom de quelqu'un pour avoir visibilité. Vous devez être frustré intérieurement. Moi, quand on m'a dit, oui, il y a un seul abonné qui est venu écrire simplement sur ma page. Un seul abonné de Apoutou qui est venu écrire ses... C'est comme vous dites la même, mon foutait carrément. Il y a un seul abonné de Apoutou qui est venu écrire sur ma page. C'est à cause de Apoutou que je te connais. Depuis ce jour, je n'ai plus parlé d'Apoutou sur ma page. Je n'ai plus parlé de Apoutou sur ma page. Depuis ce jour, quand j'ai vu un commentaire, ça m'a énervé parce que je suis trop fière. Parce que c'est moi-même qui ai fait parler d'Apoutou sur Facebook ici. Quand j'ai dit ça, les gens sont fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Je réclame mes droits. Si moi, il n'était pas là, il tombait. C'est moi qui j'ai dit ça. S'il veut, il n'a qu'à se jeter. Si moi, il n'ai pas fait palabre d'Apoutou ici, il n'allait pas supporter. Mais quand le palabre est fini, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, ma conscience, c'est mon badé. Je suis passé à autre chose. Lolo sait que si elle a gagné la bise, elle même si elle me gagne, elle va me bisser. Mais on est passé à autre chose. J'ai partagé son Kouetou. Lolo même est passé à autre chose. Ce partage de Kouetou, mais vous, vous passez par autre chose. Vous êtes déçus. Ah, c'est un qui a partagé Kouetou de Lolo là. Ah, c'est un qui a partagé Kouetou de Lolo là. Ah, c'est un qui a partagé Kouetou de Lolo là. Vous ne passez pas dessus. Même avant-hier, Lolo a fait direct. Pour dire que si moi, elle dit, j'ai dit qu'ils ont gagné le match, et ils ont gagné. Elle-même, elle a déjà oublié. Mais vous, où? Ils ont fait sortir une unité de Chilo. Eh, je ne peux pas parler de toi. Hein? Toi, tu as balancé Kouetou de Lolo là. On parle de moi là-bas. Non. Quand il est sorti pour dire que Lolo est parti s'asseoir chez les Kantés. Ah, toi, tu n'oublies pas. Tu veux toujours faire revenir le passé. Mais pour Lolo là, c'est le passé aujourd'hui. Laissez nos noms. Devantia, parler d'elle seule avec son nom, elle seule. D'accord? Chacun est libre d'avoir son opinion. Sinon, c'est vous. C'est vous qui finissez de faire ça. Et puis c'est vous les mêmes qui venez l'insulter. Et puis on est obligé de venir séparer. Quand on vient séparer, les nouveaux moutons qui arrivent là, ils viennent encore sur nous. Sinon, si vous, vous ne parlez pas, affaire est finie. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Allez là, on est sur notre vocale. De maman d'un porc vampirus de Dracula. C'est dessus on est. On dirait qu'on donne explication sur une note vocale
des banderas qui est sorti sur elle. Elle dit que c'est à cause de l'influenceuse, tout le monde l'attaque. Aïe. Ma chérie, le sujet, c'est pas ça. Laisse le nom de la fille là-bas se reposer. Il faut te défendre toi-même. Il faut laisser son nom se reposer. Toi-même, il faut te défendre. Ici, là, on sait que c'est parti d'elle. Mais le sujet a tourné. C'est trop bon. Le sujet, là, ça a tourné. C'est venu tomber sur toi. C'est toi qui prends la tontine. C'est toi qui prends la tontine. Allez là, tu es dans tontine. 50 bras, toi seul. On parle de toi. Mais toi, tu parles de ta camarade. Ça veut dire que tu refuses ton buzz, mais tu soulèves pour déposer cette tête de la fille là. On parle même pas d'elle. À cause de toi, son nom revient dans ça. On dit, viens nous expliquer comment ça se trouve que tu appelles Banderas à 5h du matin. On dit, faut venir, tu vas nous expliquer. Comment tu peux ne pas t'en passer de Banderas? On dit, faut venir nous expliquer. Comment Banderas peut dire tout ce qu'on dit de lui et puis toi là? C'est la vérité. C'est ça qu'on dit, faut venir nous expliquer. Comment pas Flo? Comment pas Flo? C'est là, c'est à cause de manque pas Flo. Bah, il a commencé à défendre manque pas Flo. Manque pas Flo. Il est venu défendre manque pas Flo. On dit, venez, manque pas Flo. Hey! Ma chérie. Hey! Mouton, c'est quelque chose, hein? Toi-même, ton affaire. Tu souhaites en mettre cette tête de quelqu'un. Bye! Ils vont faire comme moi, pardon. Oui, oui. Faut déposer la fille là, pardon. Yeah. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour supporter. Moi, j'aime pas qu'on insulte quelqu'un à mon nom. J'aime pas ça. J'aime pas ça, même à l'aise. J'aime pas ça. Je ne sais pas comment vous faites. Sinon, il pouvait gratter vie avec Apucho. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que. Non, Apucho est mal vu. Il pouvait gratter vue derrière Apucho. Mais je suis trop fière, je suis trop digne. Je m'aime trop. Sinon, Apucho, je pouvais le charger. Il ne peut pas parler. Il me connaît. Il sait à qui il a fait. Vous pensez qu'Apucho peut se dissocier de moi? Si on l'a demandé, lui, il peut se dissocier de moi. Il peut jamais, même si on le paye 1 milliard. Il ne peut pas. Même si. Même si on le paye 1 milliard, il ne peut pas. Oui. La dernière fois, il a voulu essayer. Jean, elle dit, il faut arrêter, il faut te réconcilier, il faut te réconcilier. Quand elle est sortie, il a fait ses scrims. Quand elle est sortie derrière lui, il est revenu, il faut payer chez lui à côté. Il dit, tu as compris, c'est rentré. Oui. Il a voulu faire Jean. Il n'a rien compris. Quand elle est sortie dans son dos, de toute façon, il est limé dans son cou là. Il dit, je suis. Au pays, je suis rouge pour moi, il est porté. C'est Jay-Z qui a fait ça et Adidas. Il dit, tu connais. Tu connais l'affaire là. Tu connais. Mm-hmm. Tu connais. Ça chauffe pas. Tous ceux qui. Il y a plein de blogueurs qui étaient moi. Quand vous les voyez, ils parlent en parabole. Ils connaissent. Ils n'ont qu'à s'amuser à prononcer mon nom. Quand il est sorti derrière eux là. Aïe. On connaît qui on peut venir prendre pour faire temps passe. Et puis on connaît qui on ne peut pas. Aïe! Moi, tu attrapes mon nom, il dit qu'il faut laisser, tu as laissé. Tu as laissé un bruit. Ça ne chauffe pas. Si tu les as demandés, ils sont en train de parler. Mais vous savez que c'est de moi, ils sont en train de parler. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de parler de moi. Mais ils ne peuvent pas dire Edwige Milan. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils mesurent leurs propos.